Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, ben, eh oui. Ça, c'est ma boîte de Modern Horizon. Vous voyez la Biobox promo ici, qui est Flusterstorm. Un bleu instant, Counter, Target, instant ou sorcerie. À moins que son contrôleur paye un plus et Storm. On va y aller sans plus tarder, on va ouvrir ça. On va prendre le temps de lire les rares. On va regarder foil rare, passer dans une commune rapidement, puis skipper les communes. En date de poster de cette vidéo-là, vous en avez probablement vu déjà quelques-unes, que ce soit d'MTGQ ou ailleurs. Et voilà. Modern Horizon. C'est parti. On y va. Oups, là. Ok, t'es bien placé. On y va. C'est quoi qu'on cherche dans Modern Horizon? Bien évidemment, Urza. Une des deux sortes plus que l'autre. Celle des Counters que j'aimerais beaucoup mettre la main dessus. Zombie Token. Les Heart. Snowcovered Swamp. Et on commence avec Yakmoth Tran Physician. 2 colorless, 2 noirs, 2 4, Legendary Creature, Human Cleric, Protection from Human. Tu payes un point de vie, tu sacrifies une autre créature, tu mets un moyen, up to one créature, jusqu'à sur une créature, et tu piges une carte. 2 noirs, tu discartes une carte, et tu prolifères. Scale Up, Dismantling Blow, et Zafrim Decoy. Bon, ben, commence avec une mythique. C'est parti, là. Jusqu'à là, moyenne, c'est 4-5 mythiques par boîte. Oh, spoiler alert, Defile et Eldemary's Call. Un vert, un blanc, instant. Tu vas chercher dans ta librairie pour une créature card, tu la révèles et tu la mets dans tes mains. Tu rebrasses ta librairie. Ouais, comme je disais, c'est ça. Urza, une des deux swords. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Bon, évidemment, Yagmoth est cool. Puis, ah, les lands. Aria of Flame. 2 colorless, 1 rouge, enchantement. Quand Aria of Flame arrive sur le battlefield, chaque opposant gagne 10 points de vie. Quand tu castes un instant ou une sorcerie, tu mets un Verse Counter sur Aria of Flame, puis tu fais des points de dommage égal au nombre de Verse Counter à un joueur ou à un Planeswalker. Ouais, c'est ça. Les lands, évidemment, la rouge et bleu parce que j'ai un deck de Shaili dont je vais faire le deck tech bientôt. Antinice, un blanc, Snow Enchantement, aura. Enchante une Snow Land que tu contrôles. Quand Antinice entre sur le battlefield, tu exiles une target créature qu'un opposant contrôle jusqu'à temps que Antinice quitte le battlefield. Oups là. Oui, comme je disais, c'est ça, la lande que j'aimerais le mieux avoir, c'est, pour l'instant, la rouge et bleue, parce que j'ai un deck rouge, que du rouge et du bleu. Mon copain Urza, la sword qui fait des plus 1, plus 1, donc j'ai échappé le nom. Et cause de Fion, ça fait bien aussi. Ah, tu es capable, je serais capable de l'enlever. Et cause de Fion, bon, allez. Soldier. Snow Covered et. Oh! Web Weaver Changeling Foil et un Cloud Shredder Sliver. Un rouge, un blanc, un Sliver. Les Slivers que tu contrôles ont Flying et Haste. Alright. Avec Ayula, on serait tout tenté. Ah, il y a Serra que j'irai pas. Serra, ça me permettrait de faire un deck. Un monarque d'ange qui pourrait être cool à faire. Gobelin. Mirodin Besiege, excellent. 2 colorless, 1 bleu, enchantement. Quand Mirodin Besiege entre sur le battlefield, choisis Miran ou Fixarian. Miran, quand tu castes un artefact spell, tu crées un 1-1 Mir Token artefact. Fixarian, au début de ta end step, tu piges une carte et tu discartes une carte. Si tu as 15 ou plus artefacts dans ton graveyard,
Target Opponent lose the game. Ça va aller dans mon petit deck de Shady. Bon, ben. On n'a pas ni une, un Mirabel. Serra de Benevolent. Oh, Ayula, Queens of Bears. Un colorless, un vert 2-2, Legendary Creature Bear. Quand un autre ours entre sur le battlefield sous ton contrôle, tu peux mettre 2 plus 1. Tu choisis un. Tu mets 2 plus 1 plus 1 compteur sur un ours. Puis, Target Ours fight un autre créature que tu ne contrôles pas. Talisman, Munition Expert et Raptus Giant. Cool, cool, cool. On va ouvrir avec Yagmoth. Puis, ça va bien jusque là. On va continuer. Oh, Cordial Vampire, 2 noirs. Créature vampire, 1-1. Quand Cordial Vampire ou une autre créature meurt, tu mets un plus 1, plus 1 compteur sur chaque vampire que tu contrôles. Version, on dirait une version améliorée du Sengi. Ben, améliorée. Il n'y a pas 4 de flying, mais. Mettons que dans un deck de vampire, il y a sa place. Ou dans un deck d'aristocrate. Ben, ouais. Oh, aristocrate vampire. Ça pourrait être intéressant. Illusion. On continue avec un Scrapyard Recombiner. Ah, oh, c'est la rare foil. 3 colorless, 0-0, modular 2. Sacrifie un artefact, tu cherches dans ta librairie pour un Construct Card, tu le révèles et tu le mets dans tes mains, puis tu rebrasses ta librairie. Et Unsettled Mariner. 1 blanc, 1 bleu, 2-2, Shapeshifter, Changeling. Quand un permanent que tu contrôles devient target, le target d'un sort ou d'une habilité qu'un opponent contrôle, tu le contres. Tu contres ce sort-là, à moins que son contrôleur paye 1. Le Noir Tribe, j'adore cette carte-là. Donc on a passé la rare foil déjà. On s'est chanceux d'en avoir une deuxième. Collected Conjuring, 2 colorless, 1 bleu, 1 rouge. Exile les top 6 cartes de ta librairie. Tu peux caster jusqu'à 2 Sorcery Cards avec un mana converti de 3 ou moins. Parmi celles-là, sans payer leur mana cost, tu mets des cartes exilées non castées de cette façon-là dans le bas de ta librairie. C'était beaucoup de sorceries. Throatseeker. Replay. Ouais, faut que t'aies beaucoup de sorceries pour que ça vaille la peine. Shapeshifter. Et on y va avec un Ayula's Influence. 3 verts, discarte un land card, crée un 2-2 Green Bear Token. J'ai dit Orkish Oriflame, c'est Goblin Oriflame. Dans le temps, on regardait cette carte-là et on pensait Goblin. D'où le Goblin Oriflame. Oh, Shapeshifter Foil. Un gros minou. Et hop, oh, voyons. Cabal Thérapiste, un noir, un menace, créature horreur. Au début de la pré-combat main phase, tu peux sacrifier une créature. Si tu le fais, tu nommes une non-land card, puis le joueur targeté révèle sa main et discarde toutes ses cartes avec le nom que t'as nommé, finalement. On sort une deuxième pile. Soldier, Ogre, Genesis, 4 colorless, 1 vert, de 4-4 au début de ton upkeep. Si Genesis dans ton graveyard, tu peux payer 2 colorless, 1 vert. Si tu le fais, tu ramènes une créature card de ton graveyard dans tes mains. Toujours pratique dans un deck vert. Que ce soit Monarch or Breaker ou Commander. Oh, celui-là est un petit peu ouvert. La boîte est scellée. Est-ce que... Ah, Sunbaked Canyon. Paye un live, un rouge, un blanc. Sacrifie, puis j'ai une carte. Un tap, sacrifie, puis j'ai une carte. Generous Gift, j'adore ça. J'irai pas ça. Generous Gift, je pense que c'est la foil que j'aimerais avoir dans cette set-là. Donc, une LAN, on a une mythique jusqu'à date. All of Iliad's Generosity. Un Legendary Land. Tap, add un colorless. Un colorless, un blanc. Tu mets le target enchantement du graveyard sur le dessus de ta librairie. Et
Frosty Folk, Screech et Undead Augure. Alright, on continue. J'ai réparti pas mal de boutons. Pas savoir si c'est ça à moitié de fait. Non, à peu près à moitié de fait. On doit être Wind of Abandon. Ah, c'est le... Oui, un colorless, un blanc. Exile target créature, you don't control. Pour chaque créature exilée de cette façon, son contrôleur peut aller chercher une basic land card. Puis, ils mettent ça... Non, tu exiles toutes les... une créature que tu contrôles pas. Le propriétaire de la créature peut aller chercher une basic land card, la mettre tapée sur le battlefield, puis tu peux overloader 4 colorless et 2 blancs pour every all creatures. Ça, c'est excellent. C'est un Sclonic Rift, mais blanc. Très cool à avoir. Au moins une copie. Toujours juste une mythique. Une mythique, puis un des Canopy Land. Est-ce qu'on va... Tectonic Reformation, un colorless, un rouge, enchantement. Chaque land que tu dans tes mains ont cycling un rouge plus cycling 2. Carrion Feeder, Zaz Rage, puis Wing Shard. J'ai hâte de faire un booster. Ah, lui là. Si c'est Weatherlight Captain. Deux colorless, un blanc. Legendary, créature, human, soldier, 2-2. Si c'est Weatherlight Captain, gagne +1/+1 pour chaque color parmi les légendaires, les permanents légendaires que tu contrôles. Wooburg, un blanc, un rouge, un blanc, un bleu, un noir, un rouge, un vert. Cherche ta librairie pour une legendary permanent qui a un Manuku converti plus petit que le power de CC. Puis tu le mets sur le battlefield et après tu brasses ta librairie. Évidemment, c'est une carte commander que tu vas essayer de... Ah, la Nuride. Que tu vas essayer de booster pour aller chercher du stock, payer du Warburg pour mettre sur le jeu. Oh, un ours foil. Ouais. Palais en... Pass Alec Munts. Deux colorless, un rouge, 2-2. Legendary Creature Goblin Warrior. Quand Pasalic Munts ou un autre gobelin que tu contrôles meurt, il fait 1 point de dommage à any target. 3 plus rouge, sacrifie un gobelin, crée 2-2 créatures red gobelin. Ça va aller dans mon deck de Porphoros. Donc, que je vais mettre à jour et faire un deck tech sous peu. Bon, toujours qu'une seule mythique. On va avoir un petit de mythique à la fin. On va avoir une mythique folle. Ah oui, toi. Pourquoi? Je ne peux pas le briser. Bon, c'est bon. Elemental. Rangers of Eos. Et Mist Syndicate Naga. Deux colorless, un bleu. Ninjutsu. Deux colorless, un bleu. 3-1. Quand Mist Syndicate Naga fait du combat damage à un player, tu crées un token qui est une copie de Mist Syndicate Naga. Dommage, parce que mon deck de ninja, c'est un popper deck. Allez. Toujours juste Yakumot. Prendre Urza avec Yakumot. On a eu 6 ça. Vous voyez. Future Sight. 2 colorless, 3 bleus. Enchantement. Tu joues avec la top card de ta librairie révélée et tu peux la jouer. Scutching Slaver. Et oh, le King of the Bride. Les autres chats ont +2/+1. Puis la Nuride encore. Alright. Une land, une mythique. Sword of Truth and Justice. 3 colorless. Artifact Equipment. Écoute, créature a +2/+2. Protection contre le blanc et le bleu. Quand la créature fait du combat damage à un joueur, tu mets +1/+1 counter. C'est une créature que tu contrôles et tu prolifères équipe 2. C'est celle-là que je voulais. Deuxième mythique. Soul Herder. Splicer. Exclude. C'est excellent. Jusqu'à là, toi. C'est exactement la sword que je voulais. On a juste pris la petite land. Puis Urza. Pogne Urza, là, puis je vais vivre avec 3 mythiques. Ben non, j'en veux 4 mythiques au moins. Ouh, ça flash comme art.
Snow Covered Mountain. Urza, Lord Eye, Artificer, 2 colorless, 2 bleus, Legendary Creature, Human Artificier, 1-4. Quand Urza entre sur le battlefield, tu crées un 0-0 colorless construct artefact token. Que comme habilité, cette créature a +1/+1 pour chaque artefact que tu contrôles. Tu tapes un untap artefact que tu contrôles, tu adds un bleu. Tu payes 5, tu brasses ta librairie et tu exiles les top cards. Tu exiles la top card jusqu'à la fin de ton tour, tu peux la jouer sans payer son coût. 3 mythiques jusqu'à la Yagmoth, la Sword, puis Urza. Je peux pas vraiment demander mieux que ça. C'est du bonbon, cette boîte-là. J'ai pas beaucoup de Canopy Land, on s'entend, j'en ai juste un. Pour l'instant. Altar of Dementia, 2 colorless, sacrifie une créature. Tu targetes un joueur puis il met un nombre de cartes égal au power de la créature ciblée du top de sa librairie dans son graveyard. Et comme je disais, Urza, la Sword, Mirrodin et Besiege, il manque la Land. Saldrift, 2 colorless, 1 blanc, enchantement. Quand tu cycles le Saldrift ou tu cycles une autre carte pendant que Saldrift est sur le battlefield, tu peux exiler une target créature. Si tu le fais, tu la ramènes sur le jeu sous ton contrôle au début de la end step. Crépate, Good Fortune Unicorn. Bon, il nous reste quoi? Oh, il nous en reste encore une coupe. 2, 4, 6, 8, 9. Ah, 11, vous faites ça, alors là. C'est sûr que on ne crachera pas sur un mox. Serra. C'est Serra que j'aimerais avoir, je pense. Comme si je pouvais avoir une autre mythique, là. Silent Clearing. Donc, payer une vie, un blanc, un noir. Tape, sacrifie, puis j'ai une carte. Fait. Ouais, si j'avais ma boîte, si je pogne. Serra, puis la land rouge et bleue. Je pense que c'est la boîte qui était faite pour moi. Zombie. Ah, ben. Ça, c'est mes couleurs préférées. Vert et bleu, c'est mes couleurs préférées. Donc, évidemment, paye une vie, un vert ou un bleu. Tape un sacrifice, puis j'ai une carte. OK. Bon. Pillage, Worm, puis Grave Shifter. Ah, 9 boosters. Wow, Spell Snuff. Spider. Mox Tantalite. Ça spend 3-0 à 2 manettes de couleur que tu veux. Il y a des journées comme ça. Ok, c'est pas Serra, mais il nous reste encore 8 boosters. Spiteful Sliver, 2 colorless, 1 rouge, 2-2. Les slivers que tu contrôles ont. Quand cette créature fait des points de dommage, elle reçoit des points de dommage, elle fait des. Ouais, c'est ça. Quand elle reçoit des points de dommage, elle fait le même nombre de points de dommage à un target player ou Planeswalker. Ouais. Fait que. Ça prendra un Echo of Fionns pour bien faire, là. Ouais. Ça serait. Hey, Fiery Slip! Un bleu, un rouge. Sacrifie, puis j'ai le cap. Fait que j'ai mon Land. J'ai mon Mirrodin Besiege. J'ai. Urza. Qu'est-ce qui manque? J'ai plus un autre mythique pour le fun. Oh, Prismatic Vista, j'avais complètement oublié. Il me fallait au moins un Prismatic Vista. Je l'ai. Tape un, paye un point de vie, sacrifie, va chercher une Basic Land, mais là, ce jeu. Feast of Fools! Rebuild. Hollowed Sliver. 5 boosters, c'est complètement mon goal. Force of Ray. Ah, c'est vrai, j'ai pas le Force.
C'est le premier force qu'on pogne. Un colorless de rouge. Si c'est pas ton tour, tu peux exiler une red card au lieu de payer le mana cost. Tu crées 2, 3, 1 Elemental Token avec Trample Haste. Tu les sacrifies au début de ton prochain upkeep. Curiosity, Rebuild. Ok, les 4 derniers. Shenanigans. C'est les 4 derniers. On va. On prend. C'est du gravy rendu là. On va prendre le construct. Foil. C'est quoi? Ranger, Captain of Eos, une note mythique. Pourquoi pas? La 5e de mémoire. Un colorless, 2 blancs, 3-3. Quand Ranger Captain Eos arrive sur le battlefield, tu peux chercher tes berries pour une créature qu'un mana converti de 1 ou moins. Tu la révèles et tu la mets dans tes mains. Tu le sacrifies. Puis ton opponent ne peut pas caster de non-créature spell ce tour-là. Nice. Watch of Tomorrow's, Hiérarchie Factor Fiction. Ça vaut la peine de faire un petit récap. Là. Les 3 boosters, puis après ça, je vais mettre sur la table le contenu de la boîte. Je pense que ça vaut vraiment la peine. On va-tu pousser notre lock à 6? Oh, Winding Ways, elle est belle, ça coûte le foil. Oh, Bazaar Trade Mage! 2 colorless, 1 bleu, 3-4, flying. Quand il rentre sur le battlefield, tu piges 2 cartes et tu discardes 3 cartes. Ok, il nous reste 2 boosters. Yeah! Wow! Ça serait... Ça serait n'importe quoi, en fait, là. Rendu là. Force of Vigor, 2 colorless, 2 bleus. Si c'est pas ton tour, tu peux exiler une green card au lieu de payer le mana cost. Tu détruis jusqu'à 2 artefacts ou enchantements. D'accord. La dernière. On s'est-tu gardé tout ça pour la fin? Est-ce qu'on s'est gardé quelque chose pour la fin? Plague Engineer. 2 colorless, 1 noir, Dead Touch, c'est un carrier, 2-2. Quand tu rentres sur le battlefield, tu choisis un creature type. Toutes les créatures de ton opponent de ce type-là ont -1/-1. Ok. On va rapidement. Très rapidement. Sortir. Je pense que ça vaut la peine. C'est jusque là, on a ouvert quelques-unes des boîtes, là, vous avez vu. Moi, je pense que ça, c'est dans les meilleures que j'ai vues. Dans les meilleures boîtes que j'ai vues. Il y en a qui sont dures à battre, là. First Sliver, Urza, mais celle-là... surtout que pour moi, pour les cartes que je voulais. Les cartes que je voulais le plus, je les ai toutes. Mirodin, Besiege, La Land, Ursa. On va essayer le box, ouais. C'est. Ça fait du bien des fois d'ouvrir. On se rappelle, hein, ceux qui ont vu ma boîte d'Ultimate Master, à quel point c'était triste. Ben, des fois, ça fait du bien de pogner une belle boîte. Ça remet le moral à la bonne place, mettons. Bon, il y a ça. La sorte que je voulais. Ça. Si c'est ça, voilà. J'aurais dû faire ça au fur et à mesure. Hein. Je m'en excuse si ça prend du temps. J'ai encore le projet de faire un deck de monarque slash breaker, si on veut, d'enchantement. Fait que le Hall Ophelia Generosity est très bienvenu. Cabal Thérapiste. Yulal Influence.
ça. En attendant, vous, c'est quoi vos cartes préférées de Modern Horizon? Écrivez-nous ça. C'est quoi que vous avez pogné? C'est quoi que vous aimeriez pogner? C'est quoi qui vous a fait le plus triper ou qui vous fait triper sur Modern Horizon? Sur ce que ça va apporter pour le moderne ou ce que ça va apporter dans les formats singleton? C'est vrai, la carte que je veux le plus foil, c'est elle. Goblin Champion, j'en veux un foil. Faut que je mette la main là-dessus. Je le trouve assez cute. J'avais oublié Antinice. Je crois que je n'ai pas oublié. Je devrais être à 37 en théorie. Et je vais les recompter vite. Yakmot, je suis à 37 fois. On va essayer de faire un display sur 100 secondes aussi. Une. Deux. 36, j'en ai oublié une. 36 boosters, j'en ai oublié juste une. Bon, ben ça ressemble à ça. Parfait, fait voici ce que ça a l'air. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est une vraiment une très belle boîte. Ok, fait que on va se revoir évidemment, probablement pour plus de Modern Horizon. On continue. Beaucoup de deck techs s'en viennent. J'avoue que j'avais mis la pédale douce un peu. J'ai quelques decks à mettre à jour, surtout avec Modern Horizon. On va vous faire des deck techs qui sont frais. Fait que, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.